Bonjour, je m'appelle Cédric Dumas, je suis enseignant-chercheur à IMT Atlantique. Je suis par ailleurs responsable de la formation par alternance ingénierie logicielle, qu'on appelle FIL. Il y a beaucoup de demandes dans l'industrie, c'est plusieurs milliers de postes dans chaque région en France, voire dizaines de milliers de postes, sur beaucoup de métiers différents. Mais avec l'industrialisation en fait, du logiciel et de l'informatique, il y a beaucoup de demandes autour des systèmes d'information, sur la qualité logicielle, sur ce qu'on appelle maintenant le DevOps, intégration continue. Et donc les formations ont évolué en termes d'ingénierie. L'employabilité des étudiants est extrêmement forte en fait. Ils ont beaucoup, beaucoup d'offres quand ils sortent de l'école. Les apprentis en ingénierie logicielle, ils vont sur des postes de développement, développement de services, de systèmes d'information, d'applications mobiles, dans une quantité, une variété d'entreprises assez importante. Ça va être les grosses ESN, les petites entreprises de services numériques aussi, les éditeurs logiciels, les entreprises qui ont leurs propres services ou qui développent en fait des applications mobiles. Rien que sur Nantes, il y a un potentiel incroyable pour les alternants en termes de placement et d'alternance. Donc il y a un référent IT2I qui les accompagne pendant les 3 années. Donc c'est une personne choisie par notre CFA, notre centre de formation par apprentissage, qui est l'IT2I Pays de la Loire et qui accompagne notre école comme d'autres écoles en fait de l'enseignement supérieur dans la région. Ce référent, il va faire des visites en entreprise et vérifier que tout se passe bien. Du côté école, on a aussi un accompagnement en fait et ça forme toute une équipe et on va suivre les étudiants en fait pendant les 3 années. En particulier la 3e où il y a un tuteur pédagogique cette fois, un enseignant-chercheur côté école qui va suivre l'étudiant pendant cette année particulièrement importante puisqu'il y a le projet de fin d'études qui est le point culminant de l'apprentissage. Donc en apprentissage, les étudiants en fait passent la moitié de leur temps en entreprise et on compte sur l'entreprise pour apporter un certain nombre de compétences, des compétences non techniques et techniques qui sont complémentaires de celles qui sont apportées par l'école. Il y a des checkpoints et des évaluations régulièrement pour vérifier qu'on avance en fait ensemble. Ça fournit une plus-value assez importante à l'étudiant qui, en sortie d'école, est quand même très opérationnel pour l'industrie. En plus du fait que, bien sûr, il est rémunéré pendant ces 3 années.